La porte d'Anières, les gars, c'est pas la jungle, c'est la guerre. Même le tram, il passe plus. Les flics, ils sont là, mais ils savent plus quoi faire, en fait. Ils sont même eux, ils sont en PLS. C'est trop drôle. Je sais pas si vous les voyez, il y a des flics, en fait, qui essayent de faire la circulation, mais même eux, ils arrivent pas. Je suis mort. Oh là là. Non, non, non. Oh, 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 oh. Bah non. Les vélos, les gars, ils s'en foutent en fait. Wow, wow, oui, oui, wow. Les gars, je voulais vous remercier. La chaîne vient de dépasser les 3000 abonnés, les gars. Je vous avoue que bon, ça me touche, ça me fait plaisir. Vous le savez aussi, hein, ceux qui me connaissent, j'ai pas pour vocation de devenir youtubeur. Je fais ça à mes heures perdues. Et de se dire que bah, vous êtes 3000 maintenant à regarder mes vidéos, à me suivre, bah, ça fait vraiment, vraiment plaisir. C'est un beau cadeau de Noël. Ah, il est gentil. Hop là, merci. C'est cool. Oh putain, sérieux. Ok, je suis pas censé remonter la file, mais... C'est vraiment flippant, quoi. Il le prend ou il le prend pas? Même la police. Histoire pour se retrouver là. Non, ça c'est le sas à vélo, mec. Si vraiment les flics commencent à brûler les feux rouges et à foutre sur le sas à vélo, faut pas s'étonner que tout le monde le fasse là. C'est pas bien grave, hein, je dis pas, mais ça donne un peu une idée de l'état d'esprit des gens, quoi. Normalement, la police, elle a le devoir d'exemplarité, elle peut pas se permettre, justement, si elle veut être crédible, de... Là, le mec, il m'aurait arrêté, par exemple, moi, je lui aurais dit, bah attendez, je viens d'enregistrer, là, vous avez grillé un feu rouge et vous êtes sur le sas à vélo, alors qu'est-ce que vous venez me faire chier, quoi. Genre, bah, normal, quoi. Bip, bip. Bon, et là, il n'y a pas de petit signal, hein, pour les vélos, pour qu'ils puissent passer. Le gamin, il nous a fait un kamehameha, quoi. Aérien. Air kamehameha. Oh putain. La priorité à droite, celle-ci, elle est... Je sais pas pourquoi. Je la trouve vicieuse. T'es sur un peu plus sur une avenue là et tu t'attends que les gars ils aient un stop en fait. Et j'habite ici tous les jours, je passe par ici tous les jours, à chaque fois je me fais avoir à moitié. Oh, la putain de mitraillette. Oh là là, tout le monde y va, même le bus il passe au rouge. Ils sont bas quoi, il y en a marre, il n'y a pas assez, bon, ça m'a saoulé. Oh là, t'énerve pas. Merci mec, c'est cool. Ouais, alors lui il est en Ducat, il me dit même pas bonjour. Et tous les deux en Monster, il me croise, il dit pas bonjour. On n'est pas beaucoup hein, non, sur Paris. Hein. Je suis sûr que t'es sur le groupe Ducati Monster France, Pépé. Dommage. Bah, c'est-à-dire, oui, que quand tu passes au feu rouge et que c'est bloqué devant, bah forcément, tu te retrouves au milieu du carrefour. C'est récurrent ici. Hein. C'est dingue, les gens, ils apprennent pas. Ils passent pour des cons tous les jours, mais ça percute pas. Et... Bah si lui il passe, moi je passe, obligé.
n'y a pas de pied posé. Hop là, tac tac. Bip 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 bip. Pourquoi tu t'arrêtes? Ouais, il fait peur lui. C'est vert, il freine, je comprends pas, j'ai pas la formation. T'es sérieux, putain. Bip bip. Pressé, hein. Putain, fais un effort au moins, gare-toi, putain, t'as la place. C'est complètement n'importe quoi. L'autre il est au téléphone quoi. Sérieux quoi, le mec de Levallois sur son téléphone. Il est en train de faire un test moto, le gars il a pas de casque. What the fuck. Ah ouais d'accord. Ah ouais. Ah ouais. Ah mais attends, c'est le mécano qui bosse à côté là, qui fait un test de la moto pour rouler sans gants, sans casque, sans rien. Ah ah non, la priorité à droite. Bip 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 bip. Le mec a percé du ségouin. Il y a votre coffre d'ouvert, monsieur. Il y a votre coffre qui est ouvert, monsieur. Il y a le petit. Ah d'accord. Bonne journée. Faut s'imposer ici. Les gens ils ont l'impression que c'est pas un rond-point et donc ils oublient la priorité à droite. Oh, le scooter qui se met devant toi, qui va accélérer à 45 max et... Ah t'es relou mec hein. Et voilà les amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon Noël, de super fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et puis on se voit l'année prochaine. Gros bisous à tous. Salut, salut !